8h du matin et on va aller faire Millennium Cave aujourd'hui. Santé. Yann, ça pourra le faire. Ouais, il va faire beau. Et c'est parti. Voilà, on est juste à l'autre bout de Louganville, c'est 3 minutes de conduite là depuis la maison. Et donc on va au briefing. Bonjour. Bonjour. Bon, l'histoire c'est notre... On avait commencé la balade à l'an 2000, ce qu'on appelle Millennium Cave. Et 4-1, il y a 4 parties en général. Il y a marché à travers la forêt, il y a la grotte, Canyoning, c'est juste le marché au sud de la rivière en bas. Et la dernière partie, c'est la baignade. Et maintenant, on est ici, ça dure 45 minutes avec la voiture, c'est notre premier village, ça s'appelle Lambelle. Et 20 minutes de marche jusqu'à mon village. Mon village s'appelle Bonaspec. Mon père est le chef du village. Et ça, c'est notre communauté business. Et en route, il y a un pont en bambou. Voilà, on est arrivé à la fin de la première étape, trois quarts d'heure de route, on est arrivé au village. Là maintenant on va voir comment on s'organise avec les sacs, ce qu'il faut porter ou pas, et on va démarrer. Allez, c'est parti. Ouais, c'est l'école maternelle. Ça commence fort, hein, c'est joli. Très sympa. Alors, on arrive à un deuxième village. Voilà, on arrive à un village. C'est propre. Good morning. Good morning, I'm John. I'm Patrick. Good morning, John.
le shop. Il y a mon village jusqu'à la grotte, il y a 1h30 minutes de marche à travers la forêt. Il y a deux stops en route. Premier stop, il y a une belle vue. La seconde stop, c'est notre culture. Le maquillage, c'est juste pour respecter la nature. Bon, alors c'est parti pour 1h30 de marche là depuis le village. Ouais, ça c'est du cacao. Ah, ça c'est Natangora. On se sert des feuilles pour faire les toits. Bon, il y a une petite pause. On arrive à la moitié de la marche. D'une heure et demie. Les toilettes. Allez, c'est reparti pour 3 quarts d'heure environ, hein, puisqu'on a fait la moitié. Gingembre. Gingembre. Regarde. C'est bon. Non, ça sent pas. Je peux sentir. C'est les deuxième pause là, c'est ça? Ouais, je pense. Ouais. Ok. Faire de la peinture. Oui. C'est large. Attends. Seconde. Tu veux bien arrêter? Ce soir, c'est en train de la côte. Oui. C'est le sommet. C'est la même. De la crotte, on a un tableau, on est devant ici, c'est une cascade. Mmh. Ils sont des échanges sur un bas de la crotte. C'est le sommet. Le sommet. Et nous, dans ici, c'est juste une cascade de la crotte. Merci. Ouais, donc là on descend encore un quart d'heure. On entend l'eau en bas.
Et après le maquillage, on a des porteurs de sacs. Un d'entre eux porte votre sac ici. Et il vous attendra là-bas à la sortie de la grotte pour votre pique-nique lunch. Et le guide vous guidera vers la rentrée et à travers la grotte. Cette partie, on a construit des escaliers en zigzag vers la rentrée. Et pour faire la grotte, ça dure 30 minutes. La longueur, c'est 400 mètres de long. Largeur 10-15 mètres et la hauteur, c'est 20, 30, 40 mètres. C'est très, très noir dans la grotte, mais on a des lampes. Et cette rivière, on appelle Bamboo River, coule à travers la grotte, mais c'est pas profond. C'est-à-dire, vous marchez dans l'eau, dans la grotte, jusqu'à la sortie. Aventurier de la grotte perdue.
la différence de température. L'eau, elle est chaude là. Allez, nage, c'est bien, ça fait ton sport. Bon, alors là, on est où là? On va arriver à la partie dans l'eau. Voilà, bah on a traversé la grotte et on est ressorti de l'autre côté, côté rivière. Et c'est là qu'on va faire un break pour manger. Voilà, ben, on vient de manger nos sandwichs, du coup on va repartir par là-bas. Et à la sortie, vous aurez votre lunch à côté de cette rivière, on appelle Sarkatariwa. Ça va prendre juste à côté, bref, c'est la même rivière. Et après votre lunch, le porteur de sac, ils vont apporter tout, les sacs, les lampes et tout, vers le village. Et la troisième partie, c'est le canyoning, c'est juste marcher sur la rivière en basse de 30 minutes. Et la dernière partie, c'est un des plus beaux parties de la balade, on appelle le monde caché, c'est la baignade pour 45 minutes. On a des gilets pour vous aider à flotter, marcher et amuser. Cette photo, c'est la dernière partie. Les deux côtés de la rivière sont des falaises, il y a des rivières qui tombent, les deux côtés font des cascades. Dans cette partie aussi, on aura des poissons avec la chair de coco ici. Et il y a des endroits profonds là-bas. On a construit des escaliers sur le mur pour monter et puis sauter. Thank you.
Thank you.
Et à la fin de la baignade, pour retourner au village, c'est juste pour 30 minutes. Mais on monte vers le village. À la fin de la balade, notre maman vous prépare du café, des fruits, pour le savon de retourner à la voiture et enfin on vit à 3h ou 3h10. C'est trop beau. Voilà, la balade de Millennium Cave c'est fait. C'est une super balade. Même les enfants ils peuvent participer sans problème. Ouais, en plus là l'eau elle était carrément chaude dans la rivière, on n'a pas eu froid du tout. Et non, c'est le chemin il est propre. Il y a des échelles, il y a des barres en fer pour se tenir, des cordes. Il y a tout ce qu'il faut pour escalader. Voilà, on est de retour vers le village là. On est dans le jardin potager. Ouais, donc ils ont leur potager là. Le village est juste derrière. Là. Voilà, on arrive.
Voilà, retour à la case départ. Bon bah belle balade. Hello. Merci beaucoup à choisir cette balade. Votre visite, ça nous aide beaucoup là-bas. Et la grotte de là-haut.